Masechet Bava Metzia, traité Bava Metzia, Daf Salazain, feuille numéro 67. Nous sommes à la feuille 66, à la dernière ligne. Amar Rava. Rava dit. Aviatin Nakamed Ram Nachman. J'étais assis devant Ram Nachman lorsqu'il a dit les paroles qu'on a rapportées plus haut, que si une personne a cédé, même par erreur, c'est valable. Obaïlotve Onaa. Et j'ai voulu lui poser une question à partir d'une règle concernant celui qui a été lésé. Ve'odik, et il a remarqué que je voulais lui poser cette question. Ve'chazitan aylonit, et il m'a rapporté une preuve à ses paroles à partir d'une règle concernant la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, comme on va voir. Varionaa. Et donc la question que Rava voulait poser, c'était, voilà qu'au sujet de celui qui est lésé. Et donc bien que la transaction a été faite, et donc ça a été accepté, mais par erreur, et on voit que ce n'est pas considéré comme une acceptation, on doit rembourser. Veodik hazitan aylonit. Et en voyant que j'allais lui poser cette question, il m'a dit, on peut apporter une preuve de la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté. En disant, Aïlonite, voilà que cette femme, donc, qui n'a pas eu les signes de la puberté, qui ne peut pas avoir d'enfant. Nimrila betaruthi. Donc, quand elle est mariée avec un homme, le mariage peut être invalidé parce que une personne n'est pas prête à se marier avec quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, Dimichila Betaruti, même si elle lui a apporté une dot, c'était par erreur, Vervia Mechila, et malgré tout, on considère que c'est accepté. Dit-nan, comme on trouve dans une Mishnah, Hamema Enet, la femme qui a été mariée lorsqu'elle était mineure, mais pas par son père, seulement par sa mère et ses frères. Donc c'est un mariage qui est uniquement d'ordre rabbinique. Et elle a ensuite annulé le mariage, comme c'est autorisé dans ce cas-là. Vashnia, de même la femme qui était mariée alors qu'elle était interdite à cause d'un lien de parenté qui la rendait interdite de par les sages. Vailonit, ainsi que la femme qui s'est mariée ensuite lorsqu'elle est devenue adolescente, il a été visible qu'elle n'a pas eu les signes de la puberté, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle loketuba, elles ne recevront pas le montant qui est écrit dans la Ketuba, Velo Perot, et le mari ne rendra pas l'usufruit de leur bien, Velo Maisonot, et ne remboursera pas ce qu'elles ont dû emprunter pour leur pension alimentaire, Velo Belaot, et ne rend pas les vêtements qu'elles ont apportés dans leur dot. Et la Gemara poursuit en disant Velohi. En vérité, c'est pas juste. Lo ona aviatufte, ni le cas de celui qui est lésé est une question. Velo aylonit mesariale, ni le cas de la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté est un appui. Lo ona atufte, ni le cas de celui qui a été lésé est une question. De lo yada de ite ona a de machil, car il ne savait même pas qu'il a été lésé pour accepter cela. Velo aylonit mesariale, et ni le cas de la femme qui, par la suite, n'a pas eu les signes de la puberté, n'est un appui. De nihala de tipuk ala shuma deishut, parce que la femme est contente que le mari puisse garder ses biens pour que elle puisse montrer par là qu'elle était effectivement mariée. Aït eta, il y avait une femme d'Amrale la Ougavra qui a dit à un homme, zil zeven yara mikrevay, va et acquiert pour moi un terrain d'un de mes proches parents. Azal Zavanla, il est parti, il l'a acquis pour elle. À Marley, et le vendeur a dit au délégué de cette femme, et à Volizouze, Madartla Niali, si par la suite j'ai de l'argent, je voudrais que tu me rendes ce terrain. À Marley, Advenavla Aché. Il lui a répondu, toi et Navla, donc le nom de cette femme,
Vous êtes donc de la même famille, et donc vous arrangez. Amar Rabba Baravuna dit, Kol advenavla ahe, dans tous les cas où le délégué a répondu cela en disant, toi et Navla, vous êtes de la même famille, Samradate, le vendeur s'est appuyé là-dessus, Vlogamaru Makne, il n'a donc pas donné véritablement d'acquisition, si ce n'est avec cette condition. Et là, on a poursuivi en disant, Ara Adra, donc si effectivement il a de nouveau de l'argent, elle devra lui rendre le terrain, Peremai, qu'est-ce qu'il en est des fruits qu'elle aura consommés entre-temps? Ribit Ketsutsa à vous, Veotin Bedayani. Est-ce que c'est considéré comme un intérêt qui avait été fixé au départ, puisque dès le départ, on avait donné cette condition? Et donc, les juges peuvent s'en saisir d'elle. Odinma, qui avac Ribit à vous. Mais on va dire que c'est considéré uniquement comme un intérêt interdit de par les sages. Et parce que c'est pas dû à une dette, mais à une vente. Ven yotzin. Et donc, les juges n'ont pas le droit de les saisir. Amarababravuna. Rababravuna dit, Mistabra qui avac ribit à vous. Il semble plus logique de dire que ça ressemble à un intérêt interdit uniquement par les sages. Ven yotzin bedayanim. Et donc, les juges ne peuvent pas le saisir. Ranamarava qui a vakribitavu, vainotin bedayanim. Et de même, Rava a dit, c'est considéré comme un interdit interdit de parler sage, et donc les juges ne peuvent pas le saisir. Amala Abaye le Rabba. Abaye a demandé à Rabba, Mashkanta, s'il s'agit d'un champ qui a été donné en gage pour le paiement, et on n'avait pas dit expressément qu'il pourrait consommer les fruits. Qu'est-ce qu'il en est des fruits qu'il aura consommés entre-temps? Est-ce qu'on va dire, là-bas, dans le cas de la vente, la raison pour laquelle on considère que c'est qu'interdit de parler sage, c'est parce que il n'avait pas fixé au départ qu'il pourrait manger les fruits pour le paiement. Et ici non plus, il n'a pas fixé au départ. On dit, ou bien on va dire, là-bas, c'est moins grave parce qu'il s'agit d'une vente, alors qu'ici, il s'agit d'un prêt. Amal lui a répondu, la raison là-bas pour laquelle on considère que c'est de parler sage, c'est parce qu'il n'a pas fixé qu'il mangerait les fruits en tant qu'intérêt. Et ici non plus, ça n'a pas été fixé ainsi. C'est pourquoi c'est interdit que de parler sage. Amal Rapapi, Abad Ravina Uvada. Rapapi dit que Ravina a pris une décision qu'il a accomplie à ce sujet. Rachiv Apek Pere, et il a évalué combien de fruits avaient été mangés, et il les a fait saisir. Des loques et Rabba Ravuna, donc pas comme Rabba Ravuna. Amabarbre de Rav Yosef, Mishme de Rava. Ma fils de Rav Yosef a dit au nom de Rava. Hamashkanta, ce champ qui est donné en gage pour le paiement. Batra de Misalke, dans les endroits où, si l'emprunteur a de l'argent, il peut reprendre le champ à tout moment. Rachir Zouzé, Misalke Nalé. S'il a mangé des fruits qui étaient de la valeur de l'argent, on lui reprendra le champ. Achaltfe, le mafkinaminé. S'il a mangé plus, on ne pourra pas se saisir puisque, comme on l'a dit, c'est un intérêt uniquement de parler sage. Et on ne peut pas non plus considérer que ce qu'il a mangé en plus, c'est pour le paiement d'une autre dette. S'il s'agissait d'un champ qui appartenait à des orphelins, assez différent. Si il a mangé ce qui correspondait à la valeur de la dette, on lui reprend le champ. Achaltfe, s'il a mangé plus, mafkinanmine, on se saisira de ce qu'il a pris en plus. Omechashvinan, mishtara lishtara,
Et on peut également utiliser ce qu'il a mangé pour le paiement d'une autre dette. Amar Rabashi, Rabashi dit, Ashtad Amart, maintenant que tu as dit, Achal Tfelo Mafkin Almine, que si il a mangé plus que la valeur de la dette, on ne peut pas se saisir de cela. Dans ce cas-là, même s'il a mangé ce qui était le montant de la dette, on ne pourra pas lui enlever ce champ-là, si ce n'est lorsque l'autre lui aura payé. Maïta Ama, pourquoi ? Parce que si on lui enlevait le champ, alors qu'il n'avait pas reçu l'argent, serait considéré comme si on avait repris les fruits qu'il avait mangés, avait avakribit. Or, il s'agit d'un intérêt qui est interdit uniquement par les sages. Avakribit, et naïtsabedayanim. Et on ne peut pas se saisir, même par les juges, d'un intérêt interdit par les sages. Avad Ravashi Ovda Bitomim Ktanim. Ravashi a tranché Bitomim Ktanim concernant les orphelins mineurs, Kikdolim, comme pour les orphelins majeurs, qu'on ne pourra pas reprendre ce qu'il a consommé. Amar Rava Bered Ravesef Mishmed Rava. Rava fils de Ravesef a dit au nom de Rava. Aymashkanta Batra de Mesalke. Le champ que le créancier reçoit pour être un gage pour le paiement. Dans les endroits où, si l'emprunteur a de l'argent, il peut le lui reprendre. Il ne pourra manger les fruits entre-temps que en considérant que ce qu'il a mangé, on déduira de la dette. Vetsurba Merabana et un jeune sage a filu benachiata nechul. Même en déduisant de la dette, il n'aura pas le droit de manger parce que les gens vont croire qu'il s'agit d'un intérêt qu'il prend. Et la bema nechul. Mais alors, comment le jeune sage pourrait-il le consommer? Bekitsuta. Seulement, si le temps où il a le droit de profiter et de consommer des fruits a été fixé au départ. Anicha. Demandez à Marquitsuta Sharia. Et ça, c'est seulement d'après celui qui dit que si ça a été fixé au départ, le temps, c'est permis. Et là, demandez à Marquitsuta Asira. Mais d'après celui qui dit que même lorsque ça a été fixé au départ, c'est interdit. Maïkalemema, qu'est-ce qu'on va dire? Dites Marquitsuta, pligeba rabacha veravina. Comme on a vu que, si on a fixé le temps où il pourrait consommer les fruits du champ, il y a une discussion là-dessus entre rabacha et ravina. Khadama Kitsuta Sharia. L'un dit que si on a fixé, c'est permis. Khadama Kitsuta Asira. Et l'autre a dit que c'est interdit. Khidami, de quoi parle-t-on, dit l'Agmara Kitsuta. Donc de ce cas où on a fixé le temps pour manger les fruits. Damale Atramel Shanin, Akhidala Belon Akhiata. On parle d'un cas où le créancier dit à l'emprunteur, jusqu'à 5 ans, je pourrai manger des fruits, sans qu'on déduise du remboursement de la dette. Mikan Velar, et après cela, Shayan Nalar Kulhu Pere. J'évaluerai et j'ai déduirai de la dette tous les fruits que je mange. Dans ce cas-là, c'est permis parce qu'en vérité, il est considéré un peu comme un fermier, puisque c'est lui qui travaille dans le champ. Et donc, il a droit à un certain pourcentage. Et c'est pourquoi il prend tous les fruits pendant 5 ans. Et ensuite, tous les fruits, ils seront payés pour la dette, donc l'un dans l'autre, il ne prend qu'une partie, comme un fermier. Ikadamre, d'autres disent, Kol belon achiata, tous les cas où, au départ, pendant une certaine période, il peut manger les fruits sans déduire de la dette, asu, c'est toujours interdit. Avalachidami kitsuta, c'est quoi le cas où on a fixé un temps et c'est permis? C'est ce qu'il lui a dit. Jusqu'à 5 ans, je mangerai et je déduirai de la dette. Et après, tout ce que je mangerai, je devrai rembourser. Celui qui est interdit dans le premier cas,
qu'on a vu, il permettra dans le deuxième. Madassa Mebatraïta, celui qui interdit dans le deuxième, Recharel et Michal. Alors, c'est quoi le cas où il permettra de manger des fruits? Chariki Mashkanta des Sour. Il permettra dans le cas où ça s'appelle un gage de la ville de Sour. Des cas Viberachi. Parce que d'abord, on écrivait ainsi, « Mishlach shenaï enin tepuk ahada belaksaf » qu'il peut manger pendant un certain nombre d'années, et au bout de ces années-là, il rend le champ sans recevoir de paiement pour sa dette. Puisque le paiement, ce sera les fruits qu'il aura mangés pendant ces années-là. « Rapapa ve ravuna bered raveshu amrit avayu »« Rapapa et ravuna fils de raveshu » disent tous les deux. « Aïm ashkanta » ce champ qu'on reçoit pour le paiement engage donc pour le paiement d'une dette, battra le messalqué dans les endroits où l'emprunteur peut reprendre le champ à tout moment en payant. Ein balchov gove himena, un créancier ne pourrait pas s'en saisir lorsque le créancier est mort entre temps et c'est parvenu aux mains des héritiers, parce que étant donné que ils n'ont pas droit à ce champ, mais uniquement à manger des fruits, donc c'est considéré comme du mobilier. Le mobilier ne peut pas être saisi des héritiers. Venabechon otelba shnaim, et de même, l'aîné n'aura pas le droit à double part là-dessus, puisque le champ ne leur appartient pas, c'est seulement ce qui va pouvoir être consommé à partir du champ, et là-dessus, il ne reçoit pas la double part. Ushvit mesham tata. Et au bout de la septième année, la dette est annulée comme une dette en général. Ou bien tra de l'homme est salqué. Par contre, dans les endroits où il ne peut pas, pendant un certain nombre d'années, lui enlever le champ, même s'il a de l'argent, balrov gove menu. Donc ça veut dire que le champ lui appartient au créancier pendant ce temps-là. Et donc un créancier peut le saisir de chez les héritiers, ou Bechor Notel Bo Pishnaim, et l'aîné a droit à double part sur la consommation des fruits, et ensuite Misham Tata, et la septième année n'annule pas cette dette, puisque c'est considéré comme si ça avait déjà été payé. Verma Mazoutra Mishme de Rafapa, et Mazoutra dit au nom de Rafapa, Amashkanta Batra de Mesalke, ce champ qu'on reçoit engage pour paiement de la dette. Dans les endroits où, si l'emprunteur a de l'argent, il peut lui reprendre le champ. Ça qu'il a filou mitamré d'Aboudia. Il peut lui enlever même les fruits qui étaient tombés des lattiers parce que il ne les avait pas acquis encore. Veyagbinou, ben si ça n'est, kananou. Par contre, s'il les avait déjà soulevés et les mis dans les paniers, alors il les avait déjà acquis, donc il pourra pas les prendre. Mande Amar, d'après celui qui dit que les ustensiles de l'acheteur qui se trouvent dans le domaine du vendeur, ça constitue acquisition de ce qui est dedans pour l'acheteur. Afilou de l'agbeinu, mais si ça n'est kanalo. Même s'il les avait pas soulevés, à partir du moment où c'était dans ses paniers, il en avait déjà fait acquisition et donc l'autre ne pourra pas les reprendre. Pshita, l'Agma dit, c'est évident, Batra de Messalke, dans les endroits où l'emprunteur peut reprendre le champ en payant, même pendant les premières années. Vamar, l'omistalakna. Et le créancier a dit, je pose une condition, que pendant ces années où je peux profiter des fruits, on ne pourra pas me reprendre le champ. Akama de l'omistalakna. Il a donc fait cette condition, et donc la condition est valable. Et la batra de l'homme est salquée. Par contre, dans les endroits où on ne peut pas lui reprendre le champ, Vama Mistalakna, et le créancier a dit à l'emprunteur qu'il accepte que s'il a de l'argent pour rembourser, il se retire du champ. Mais quelle est la règle dans ce cas-là? Sarir le miktaminé. Est-ce que il faut qu'il y ait eu un acte d'acquisition qui a été fait avec le créancier pour qu'il
ne puisse pas revenir en arrière, au long, ou bien, de toute façon, il n'a plus le droit de revenir en arrière. Rapapa Malotzer le Miknamin. Et Rapapa dit n'a pas besoin de faire d'acte d'acquisition, il ne peut pas revenir en arrière. Rav Shechet Beré de Ravidi Amar Tsaïr le Miknamine. Alors que Rav Shechet, fils de Ravidi, dit il doit faire un acte d'acquisition, sinon l'autre a le droit de revenir en arrière. En considérant que c'était juste une simple promesse, sans véritable fondement, qu'il lui a faite. Vecheta Tsaïr le Miknamine. Et la règle est en fin de compte qu'il doit faire l'acte d'acquisition. Amar Ezil va être zouzé dans les endroits où il a le droit de reprendre le champ. Si l'emprunteur a dit au créancier, je vais aller chercher l'argent pour te payer, donc entre-temps ne mange pas les fruits, l'Oachim ne peut pas manger les fruits. S'il a dit Ezal et Trar va être zouzé, je vais aller et je vais faire des efforts pour trouver de l'argent, Ravina Amar, Ravina dit, Achil, parce que là il a le droit de manger parce que c'est pas sûr qu'il va trouver de l'argent. Et pour l'instant, il l'a pas. On Mazoutra Bered Rav Marie Amar Lo Achil. Alors que Mazoutra, fils de Rav Marie, dit, même dans ce cas-là, il ne peut pas manger entre-temps, puisque l'autre a dit qu'il va chercher l'argent pour payer. Vecheta Lo Achil, et la règle est en fin de compte qu'il ne peut pas en manger. Rav Kana, Rapapa, Ravashi, Lo Achle, et Menachiata. Rav Kana, Rapapa et Ravashi ne mangeaient pas les fruits d'un champ qu'ils avaient reçu comme gage pour le paiement, même en déduisant du prix de la dette. Parce que c'était une déduction forfaitaire, qui n'était pas forcément par rapport aux fruits qu'ils avaient mangés. Ravina Achil Menachiata, alors que Ravina, lui, mangeait les fruits en déduisant un tarif forfaitaire du prix de la dette. Avant Mazoutra Maïtama demande Achil Menachiata, Mazoutra dit quelle est la raison de celui qui mange en faisant la déduction. Midedava Asda Ahuza. C'est comme dans le cas du champ ancestral, que celui qui l'a sanctifié en terre d'Israël a le droit de le racheter en fonction du compte par année de la valeur qui est donnée par la Torah. Et donc même si, en fin de compte, il a mangé beaucoup de fruits entre-temps, malgré tout, on déduit une somme forfaitaire, Amra Havana, et la Torah a dit qu'à Paris que la barbare a zouzé, qu'il peut racheter pour 4 zouz, pour chaque année. Hanami Loshana, donc ici aussi, c'est pareil, il peut payer une somme forfaitaire. Mande Assar, celui qui interdit Amalecha, il te dira, Sdar Huza Rigdeshi. Le champ ancestral, il a été sanctifié. Hamana Okme Apidion. La Torah a considéré que on rachète cet argent, même si ça vaut plus, c'est comme ça que la Torah a donné le tarif. Ralvahi ou Merzekeribit. Alors qu'ici, il s'agit d'une dette. Et si on calcule suivant un tarif forfaitaire, ça ressemblerait à un intérêt qu'on prendrait pour cette dette. Et c'est pourquoi c'est interdit. C'est la fin de l'étude du DAF Samer Zayin de la feuille numéro 67.